Voyons quel genre de sécurité vous avez. C'est le même genre de barrière qu'au James Theater. Il faut que je vide les générateurs dans ces abris, qui sont verrouillés et hors tension. Il faut une nouvelle source d'énergie. Ce mobile géant qui tourne, par exemple. Ça ira. Trop loin pour mes toiles. Collante et conductrice. Et de 1, ça fait du bien. C'est sûr, ça va marcher. Ça marche. Encore deux. Ça doit se trouver tout derrière. J'en reviens pas que ça marche aussi bien. Super. J'ai hâte de casser les jouets de l'Underground.
L'expo a eu lieu dans ce hall. Je pense qu'elle doit être un peu plus loin. Une cachette de l'underground ? Allez, le mollasson! Je veux voir notre projet avant qu'on meure de vieillesse. Hé! Ils nous ont mis où? J'ai le plan du musée sur mon téléphone. Notre projet est dans une expo temporaire en haut. Ah, j'ai hâte de voir nos noms sur la plaquette comme des vrais scientifiques. Aujourd'hui, le Forum des sciences Oscorp. Demain, tous les plus grands musées du monde entier. Rick arrive bientôt ? Il vient de m'écrire. Il va rentrer dans le métro. Ça veut dire qu'il peut arriver dans 20 minutes ou dans 2 heures ? En gros. L'expo temporaire est en haut. Voilà l'ascenseur. On a le temps de regarder le reste d'abord. Tu as rappelé papa ? Il nous trouve directement au restaurant. Apparemment, la ligne de métro est ralentie jusqu'à... Mon père a été sympa de nous déposer. On serait arrivé plus vite. Vous avez vos entrées pour l'expo temporaire ? Oh, notre projet est exposé. Je pensais pas qu'il fallait des entrées. Eh bien si, et c'est complet. Donc je ne peux pas vous laisser monter. Merci quand même. Bon, faut qu'on trouve un autre moyen d'entrer. Elle a dit que tout était vendu. Ouais. Mais tu vois cette porte ? Le couloir derrière mène droit à l'ascenseur. On va pas risquer. On n'a pas le choix. Ils vont démonter l'expo demain, on n'aura jamais l'occasion de la voir. Verrouillé. Je reconnais ce genre de serrure. Si on éclaire à l'intérieur, ça s'ouvre direct. Les flashs de nos téléphones, ça marcherait. Mais ça porte pas assez. Ça marchera si on arrive à glisser un truc réfléchissant sous la porte. Un truc réfléchissant... et polymorphe, ce serait l'idéal. Polymorphe ? Tu veux dire qu'il change de forme ? Alors comme ça, on se met à utiliser des mots compliqués. Ferme-la ! Oh ! Regarde ! Des miroirs solaires ! Et ils sont autocollants ? Parfait pour tromper un verrou sensible à la lumière. Serre-toi ! Il nous faut un truc qu'on puisse glisser sous la porte. Un truc long et plat. Ou qui peut faire les deux. J'ai vu un présentoir avec de l'alliage près de l'entrée. Le présentoir près de l'aquarium. Sur le métal multiforme. On devrait regarder ça. Un alliage à mémoire de forme. Je peux le modeler sur l'appli du musée. C'est dingue ce truc.
Tu crois que c'est de la métamatière? Ça y ressemble. Je me demande. Ça y est. Allez, faut pas qu'on se fasse griller. C'est bon, on y va. Oh, désolé. Pas de soucis. Je vais mettre l'autocollant. On a une porte à ouvrir. Vu que les outils externes communiquent directement avec l'ordi du module de commande, on pourrait répliquer l'idée, mais avec une interface neurale. Ça surchargerait la ligne centrale. Pas si on l'intègre par-dessus le maillage entier, via des points d'entrée multiples. Hmm. Tu crois que tu pourrais t'en charger? Avec du temps et des hectolitres de café? Absolument. Je m'occupe du café. Bien vu, Peter. Je n'y arriverai pas. On devrait retourner au labo. La pause déj est finie depuis longtemps. Oh, Doc, je suis désolé, mais je vais devoir m'absenter cet après-midi. C'est une urgence. Encore? Tu as des choses plus importantes à régler, Peter? Rien de grave, j'espère. Tu sais que tu peux m'en parler. Ça va, mais je suis désolé de vous fausser compagnie. T'inquiète pas. Ton travail t'attendra tranquillement au labo. Merci, Doc. C'est soit l'invention du siècle, soit un ratage total. Si un jour on ouvre notre propre labo de recherche... J'ai la lumière. Dis-moi quand l'autocollant est pointé vers le capteur que je l'allume. Personne ne nous regarde pour l'instant. On doit faire vite. Faisons autrement. Non, ça va pas. On a réussi, ça a marché. C'était génial. Ah, oh, ça va me manquer de faire ce genre de truc avec toi. Qu'est-ce que tu veux dire? Bah, toi. Tu rentres à Brooklyn Visions la semaine prochaine, pas moi. Je vais pas m'envoler dans l'espace. On se verra encore. Tu seras occupé. Pas tant que ça. Je trouverai du temps pour nous deux. Non mais sérieux. Bon, allez. On va quand même pas se mettre à pleurer. Allez, viens. On monte. Allô, Mike. Salut, Monsieur Davis. T'as le bonjour de Finn. Vous vous amusez bien? Vous penserez à prendre votre projet en photo? Papa, c'est pas important. Tu rigoles, c'est super important. Ok, ok, on prendra une photo. Bisous, papa. Ciao. On y arrive. Notre projet est tout au fond. Tu crois qu'ils ont installé notre convertisseur? C'est un peu le but, non? Par contre, il faut qu'ils intègrent de la biomasse, en lui donnant une poubelle, par exemple. Notre projet. Comment t'es entré? C'est pas important. Je refuse de dire ça. Oh!
Finn, il faut que tu saches. J'en ai marre de t'écouter. Il faut que je lui dise pour le réacteur. Empêchez-le de poursuivre Tinkerer. On est plus fort que toi. Laisse tomber, tu vas entre nous. Ça va forcément finir mal pour toi. L'Underground a débarqué et j'ai vu un tank de Roxxon. Toutes les sorties de Harlem sont bloquées. Vous êtes où? Pas loin de votre appartement. On cherche un abri. Allez, Atheos Bodega. Je vous rejoins rapidement. On va protéger tout le monde le plus longtemps possible. Je dois m'occuper d'eux avant de retourner à Harlem. Aller à Harlem, tout de suite, avant que Finn ne détruise le réacteur. Ganki, répond. Comment ça se passe, l'évacuation? Mal. Roxxon et l'Underground ont tout envahi. C'est une vraie zone de guerre. T'es en sécurité? Et ma mère? On s'est enfermé, votre gars. Dizaines de personnes, mais on est au Je t'entends mal. Vous êtes où? Donkey!
Si tu m'entends encore, je suis en route. Tenez bon, s'il vous plaît. J'ai jamais vu une tempête aussi forte. Ganki, tu me reçois? Ganki! Tenez bon. J'arrive. Ah, ils vont ravager ce parc! Il est là! On charge l'underground! Combat contre style engagé! Il est blessé! Attention! Les commerces sont encore intacts, mais ça risque de changer si j'arrête pas les combats. Spider-Man pourrait pas en dire ça.
Oh non, c'est notre immeuble. Mike, tu m'entends ou pas? Je me perds dans le brouillard. Il faut que j'aille en direction de la fuscade. Caché à la Théos Bodega. C'est de plus en plus violent dehors. Faut que tu rattrapes. Ils sont à Théos Bodega. Je suis pas loin, mais il faut que je m'occupe de Roxxon et de l'Underground pour sécuriser les rues. Ganky ? Ganky, vous êtes où ? Vous pouvez vous enfuir ? Hé ! Hé ! Écoutez-moi ! Il faut qu'on sorte de là ! Mais je pourrais pas porter tout le monde ! Elle a déjà commencé. En ligne de mire. Reste pas là, petit gars. T'as des choses plus importantes à faire. Il a raison. Vas-y. On les fera évacuer. Je reviendrai. Je sais. Ok, tout le monde. Essayez toutes les portes! On ne laisse personne derrière! Non! Tu sais pas ce que tu fais! Ils méritent ce qui va leur arriver! Non! Le réacteur! Krieger l'a modifié! Tu vas pas seulement détruire Roxxon Plaza! Tu vas faire disparaître tout Harlem! J'en ai plus qu'assez d'entendre tes mensonges! C'est trop tard.
peux pas te laisser faire ça. Je peux pas te laisser m'arrêter. Tu vois pas ce que le réacteur est en train de faire? Il détruit la plaza! Il rase le monument de Krieger! Si la plaza s'effondre, toi Harlem s'effondre! Qui t'a dit ça? Krieger! J'ai fait des projections! Je veux pas me battre. On discutera. Quand j'aurai désactivé le réacteur. Finn, regarde. Le réacteur va atteindre le niveau critique. On pourra bientôt plus l'arrêter. Non ! Je m'enfuirai pas cette fois ! T'étais la seule personne que j'aurais voulu avoir de mon côté ! Je suis de ton côté ! On peut faire tomber Roxxon avec ce qu'on sait sur le New Form ! Ça marchera pas ! Tout le monde s'en fiche ! L'éventualité d'une attaque terroriste. Oubliez Roxxon, maintenant. Bientôt, ce sera Roxxonville. Allez, à plus tard, les amis. Non ! Je dois l'arrêter ! Pas comme ça ! Je sais que t'as fait une promesse, Harry, mais il aurait pas voulu ça ! T'as perdu tes poumons ! Je l'ai eu! Reste pas là! Va-t'en! Je t'en prie! Je sais que tu sens son arriver là! Aide-moi à l'arrêter! Si tu veux la vérité, eh ben je vais te la dire! Vic détesterait ce que t'es devenu! La ferme! Yeah.
Je t'ai laissé plein d'occasions de partir. M'oblige pas à te tuer. Tu peux pas gagner. Pourquoi tu continues? Parce que... je suis... Spider-Man. Déroule d'abord. Ok. Je dois les éviter. Pas normal du tout. Je peux l'arrêter. Thank you.
Regarde pas! Miles. De s'éloigner. Je vais pas tenir très longtemps. Qu'est-ce que tu... Hé, hey, reste pas ici, petit. On va s'occuper d'eux. Vous avez vu son visage. Bon travail, Spider-Man. Merci. De qui s'agit-il? Lui, là. C'est notre Spider-Man. Ouais, ouais, on sait qui vous êtes. Non, vous ne rêvez pas. Simon Krieger est derrière les barreaux. Aaron Davis, alias le rôdeur, s'est retourné contre lui et Roxxon. Davis ira en prison, même si sa peine pourrait être réduite. Je crois qu'il y a une leçon à retenir de tout ce qui est arrivé à Harlem. Ensemble, on est plus fort. Et avoir un Spider-Man rien qu'à nous dans le quartier, c'est pas mal. T'as l'air en forme, Ailey. We come from, yeah, we did it.
Je commence ma journée, évidemment. Voilà, à plus. Hey, salut, ça va? Ouais, très bien, la forme. On se voit plus tard. Waouh. J'arrive pas à me faire à ce costume. Il est trop cool. Faut que je m'affirme. Ouais, c'est vrai. Pete, est-ce que ça devient plus facile? Ouais, en partie. Mais il y a des choses qui restent difficiles. Roxxon a fait ça ici parce que pour eux, on voit rien. Moi, Rick, Finn, tout Harlem. Notre boulot, c'est tout faire pour qu'ils ne s'en tirent pas comme ça. On va rajouter ça au Spider Sermon. On y va? On y va. It really isn't no question. Only super heels in a section. Only big bangers on a set list. On top of buildings where I eat breakfast. Then I shine like a new necklace. I'm ready to go. Les habitants de Harlem ressentent encore les effets du soulèvement provoqué par un groupe s'appelant l'Underground. Parallèlement aux nombreux démêlés judiciaires de la corporation Roxxon, la nouvelle conseillère municipale Rio Morales s'est adressée hier dans les médias pour réclamer des subventions supplémentaires afin de dire au bon fonctionnement. Vitesse stable, système circulatoire fonctionnel, vitesse redondante. Il serait temps de le faire sortir. C'est votre fils, je comprends, mais sa maladie pourrait l'être. Nous nous sous-estimons peut-être le danger potentiel. J'ai dit ! Libérez-le ! Maintenant ! Emma, t'es occupée? Non, ça va. Qu'est-ce qu'il y a? Je viens de quitter Trinity Church. Je pensais à Finn et je me disais... Vas-y, je t'écoute. Elle m'a sauvé la vie. Et la tienne aussi. Et celle de tout le monde. Mais c'est à cause d'elle qu'on a tous été mis en danger. Sauf que... vu ce qui est arrivé à Rick, je la comprends un peu. Tout le monde fait des erreurs. Regarde ton oncle Aaron. C'est grâce à lui que Krieger moi est en prison. Et il nous a aidés à évacuer les habitants d'Harlem. Mais chaque fois que je le vois,
Je repense à toute la peine qu'il a infligée à ton père. Ouais. Rien ne t'oblige à avoir une idée arrêtée sur la vie de Finn, Miro. Ou sur sa mort. Souviens-toi juste de qui elle était vraiment, et pourquoi tu l'appréciais. Tu sais toujours trouver les mots justes. C'est mon boulot de maman. N'hésite pas à me rappeler. Entiende? Si. Te quiero.